Et moment ça, pour me féliciter, sénateur Sorel, sénateur Gérald Gilles, André Michel et Moïse Jean-Charles, et tout notre monde camarade Foga qui est ferme, qui est proposé, qui est ferme, je dis, pour déléguer le département de la France. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, bonsoir la famille, comment nous y est? Avec un pile plaisir, je retrouve M. Kesho News pour me porter pour nous. Quelques en principal information qui a dominé l'actualité. On garde photo ça ensemble avec moi zanmi myo. Mbote photo ça pour nous parce que mon bagay a besoin expliquer nous et m'vle nous comprendre. Jean nous a moi annoncé dans titre là yo barré Moïse Jean-Charles, mes chers amis, Moïse Jean-Charles tout tourné dans moment Moïse Jean-Charles avili et m'a kon ki sa Moïse Jean-Charles pral di peuple haïtien pour le regagner confiance yo tellement sak passé retirer toute confiance yon série de moun te placé nan Moïse Jean-Charles. Tout ça wap gade la nan photo ensemble avec moi Michel Rele Philemon Michel et ses nouveaux délégués départementaux. Pouvoir Ariel Henry à peine installé dans le département Grand-Anse, plus précisément dans la ville Jérémy dans fief Guy Philippe Capone révolution. Action ça fait dans objectif pour premier ministre Ariel Henry capable de gagner contrôle département Grand-Anse. Yon département yon est tout bon. C'est la donne mouvement révolutionnaire Guy Philippe a prôné capable de recommencer. Il a besoin de gagner contrôle département et tout pour capable casser mouvement ça dans main Guy Philippe. C'est pas seulement et directeur départemental ça pouvoir lui-même lui installer tout yon nouveau cartel magistrat dans ville Jérémy. Dans l'objectif pour être capable de bien contrôler tout ce qu'a fait. Ariel Henry révoquait toute autorité de l'État dans le département de Grand-Anse qui a supporté le mouvement Guy Philippe. Mes nouvelles, je voulais nous découvrir ensemble avec moi dans la vidéo, ça, mes chers amis. Philemon Michel, qui est nouveau directeur, nouveau délégué départemental du département de Grand-Anse. Dans le discours que monsieur a fait après l'installation, monsieur remercie tout le monde qui fait le joint job parmi eux, ancien sénateur Moïse Jean-Charles. Monsieur remercie spécialement Moïse Jean-Charles qui goumé, qui fait tout ça qui dépend de lui pour être capable de jouer un job ça, journée aujourd'hui, mes chers amis. Eh bien, avec intervention ça, délégué départemental l'enfer li avili Moïse Jean-Charles li mette Moïse Jean-Charles toutouni li mette Moïse Jean-Charles dans une situation qui vraiment vraiment difficile dans moment côté li contredit toute déclaration Moïse Jean-Charles te qu'on a fait comme quoi li compte Ariel Henry toujours a mette moun dans la rue pour renverser premier ministre Ariel Henry. Et intervention ça monsieur Feya li contredit tout ça Moïse Jean-Charles lui-même li te kon a dit et kon sa tout li tout monde qui te kon toujours a dit Moïse Jean-Charles nan pouvoir Ariel Henry même que ou pa wè Moïse Jean-Charles mais invisiblement Moïse Jean-Charles nan cuisine nan la mette touche pas nan tout ça qu'a fait nan gouvernement ça et bien moun sa yo fini par une raison, mes chers amis. Gen Chelson Sano qui tremblait la République, Chelson Sano qui était ancien responsable de sécurité, Moïse Jean-Charles, tremblait la République. Quand il fait qu'on est dans un moment, Moïse Jean-Charles, ses diversions l'a créé une façon pour capable casser le mouvement révolutionnaire Guy Philippe à prôné dans tout pays. Il a annoncé dans le jour qu'il vient là. L'ap mette moun nan la rue yon façon pour le capable rejoindre mouvement révolution. Chanson ça nous parle yon paquet cause mes chers amis. L'homme dit nous Moïse Jean-Charles nan kouri. Moïse Jean-Charles nan kouri. Bon kite nous tande Chanson ça non. Après m'bral kite nous tande journaliste Gary Pierre Paul Charles sous même dossier révolution de Philippe Blanc
qui jouet cap jouer là, qui complot cap fait. Mon nous pas ta penser. Qui dit yo content premier ministre Ariel Henry a joué là pour capable casser mouvement dans Mengi Philippe. Entendez. Je t'avais dit là mouvement sénateur a annoncé là. C'est Ariel Henry ou dit li ouais qui pourrait tomber avec ça qui Philippe a fait à terre là, l'a regarder qui j'ai le cas sauver Ariel. C'est fait Moïse. Non, je t'avais dit là mouvement sénateur a annoncé là. C'est Ariel Henry ou dit li ouais qui pourrait tomber avec ça qui Philippe a fait à terre là, l'a regarder qui j'ai le cas sauver Ariel. C'est fait mobilisation on veut casser. Chers son. Si moun k'ap revendiquer ou t'ap réuni 1 million moun et Michel Joseph Matéli. Sorti nous là. Moi Jean-Charles c'est un abolotio professionnel. Comment ça? Qui fait li pi propre passer tiouri avec pas madame. Côté que nèg sa yo fait abolotio à yon façon pour moun capable faire confiance pour moun capable toujours être quoi c'est moun qui prêt pour défendre pays. Li créé yon opposant qui relève Moïse Jean-Charles. Li dépense un pile pour ça. Le ou ta opposant par l'idée. Li créé yon opposant face. Michel Martelly li créé. Le bagay passeport alors visa à passeport américain. Le salte chef sécurité. Ou de sécurité Moïse Jean-Charles. Le salte pour tout bon. Le salte pour tout bon. Il pour tout bon. Il pour tout bon. Yon relève Moïse Jean-Charles. C'est là Martelly te manque tombé. Non mais juste avant moi apprendre tout. C'est parce que plusieurs rencontres de Martelly et puis Martelly pas bon c'est ça lui, et il a gagné colonne. C'est anecdote là. Il t'a gagné rencontre Martelly pas rencontre ensemble avec mais rencontre Sofia. Bon oui, il rencontre Sofia. Elle pas rencontre Martelly mais rencontre avec Sofia. Nous connaît moi sont passé 10 ans en prison, un paquet date qui échappé. Même à dire nous là, mais je comprends est-ce que c'est dans mon avant que il levé contre Michel Martelly que il était contre. Deux passeport au commencement, Michel Martelly te voyon cob by sénateur. Chaque nèg te une 200 000 dollars américains. Chaque nèg. Moïse Jean-Charles. Nèg te joine 200 000 dollars. 200 000 dollars américains. Moïse Jean-Charles joine 300 000 dollars. Lui dit non. Li pa vann mandat peuple la Bali. Non, je pas Moïse Jean-Charles 300 000. 300 000 dollars. Lui dit non. Ça fait ça parce qu'elle était li pa vann mandat population Bali. Li prend radio. C'est moi qui t'ai dit. Gon sénateur qui dit sénateur ou pas qu'a fait ça. Nous c'est des collègues. Gien des bagages qui passent. C'est pas vérité on parle là. Si m'pa vérité. Non mais. Si m'pa vérité. C'est pas des en téléphone que m'cache. On va pas venir dans vérité pour venir bailler mentir sur monde. Donc sénateur, ça dit. Si toutefois que m'fait mentir, que sénateur relève le tribunal, quel pas attaquer m'cache vérité. Quel relève le tribunal m'pa maon. M'pra aller. On aller pour sénateur dire. Sénateur Moïse Jean-Charles dit non. Li pa pa 200 000 la toi li pa dit doit dit li dit pa trahi mandat et population en Bali pa trahi peuple noir qui te voté qui te fait sénateur. Li rencontre ensemble avec un sénateur Garden Plaza sénateur sénateur Jessel Sodo Jessel Simondo Dera était là. Li ouais Dera li te dit Dera li dit Dera le pas prend comme là. Il dit chasse une cassette ou ne? Vire Dera là, on va parler devant Dera. Ou claise, ou là avec Dera ou. Il dit pas parler devant Dera, laisse ça nous donner nos DID. Oui, vire tout ne. C'est où que tu as conduit? Oui, moi qui t'as conduit, monsieur. Je descends. Moi qui t'as conduit et moi qui t'ai bramé le tout. En même temps. Et puis, nous vire. Nous allons faire un petit temps et dans le local combat, Michel Ries. C'était la nègre unité. Nous faisons un petit temps là. Où est-ce ça? Bon, si nous avons monté nos photos, nous avons monté. Même des bons contre Moïse. Chaque fois que je vais le bail, il court le bail.
juste pour pas acheter de l'eau maman. C'est une qui cachait tout million gain de pour du raser raser. Donc qui j'ai histoire qui sont dira. Oui, lui dit pas parler devant dira. Nous descendons n'aller dans Richeries. Dans la Richeries dans local combat, c'était là qui était espace vérité à unité à l'époque et tu gagne ancien sénateur Anacassis, tu gagne Don Cato tu qu'on a rampé là tout le chef à l'époque. Rampé là rampé. Oui, on a rampé pas même bail. Jerry Tadier tu qu'on réuni là. N'agnité tout nèg te kon Lambert et te kon réuni là trois feuilles trois racines l'espoir et te même temps victoire c'est pour peuple et puis moi regarder moi et gondame qui vient contre sénateur ande sénateur proup dit Michelson on monte nous rencontrer avec un mulatte que me pas kon nom mulatte là même que t'en reste un mulatte parce que il parle créole. Moïse dit, Michelson, n'ap descend. Dans le même moment, ça m'a parlé avec nous là tout. Il y a des gens qui ont zèb dans le bec. Yo, excusez-moi l'expression. Tant que ni Timothée qui t'a parlé. Mais qui malheureusement coordonné ça, c'est conseiller France LB. Qui ça qu'on en matière de sécurité? Moïse Timothée, c'est conseiller France LB. Yon coordonné à la consultation dans DGPNH. De vous parler français, mais écoutez, moment ça n'a pas eu période ça là. Il va y passer. C'est qu'on a dit actuellement là, Woni n'a pas pouvoir. Lui-même tout ça m'a dit, on t'a dit ça tout, ou non, t'as dit le parler. Il n'a pas parlé. Woni Timothée n'a pas pouvoir, il n'a pas parlé contre insécurité. Il n'a pas parlé contre insécurité. Comment on va parler à Haïti? Vive Haïti! Vive Haïti, diable Haïti, Yomwel. Il va dire diable Haïti. Pour confirmer pour nous matin, là, ou dit, ou répéter, ou assumer que. Woni Timothée n'a pouvoir actuellement c'est conseiller spécial DGPNH France LB. Bah, ça l'a conseillé comme ça là. Bonjour. Là on dit que son lien son coordonné Woni Timothée par contre en matière de sécurité. Woni Timothée oui monsieur. Et coordonné lié. C'est soulier le compte coup d'accent. Pourquoi tu me prends ça? C'est on est qui compte coup de soulier. Kounia nous descend. Moïse alors nous pas oui, Moïse dit mon aller. Moïse dit non, c'est pas minimiser et on cordonnier. Moi nécessite un cordonnier. Mais place ni pas dans DGPNH. Gon paquet nèg qui veut dire pas dans pouvoir Ariel. Là, il pas dans Ariel bagage ça yo. Il pas dans Ariel dans la police li. Non, Ariel. Il pas dans Ariel. Oui, il pas dans la police li. Quand tu fais comme là? Dans la police li. La police. Kounya, nous descendons dans parlement, nous faisons un petit temps, un bon petit café. Mais là finalement lui parler avec Moïse, yo font ti parler et puis lui dit Michelson on descend. Mais on connaît nèg sa yo en pile fois qu'on pa vle répondre appel. C'est moun qui avait qui met téléphone yo. Téléphone Moïse yo chala à l'époque, c'était 370178. Bol ba, li passe pas numéro encore. Non, coup d'al bagé nan kon sur l'autre 47 67. Non, pas la pas pas pas. Il est lui, il est m'a répondu avec. M'a répondu pas la bagarre. Et malé même gen caractère. Téléphone nan té nan moyon. Yo ngi téléphone nan. Kou nan même juste pour moi dil et moun ki important. Depuis appel la pas monter à non, pas prendre. Depuis le monter à non, répondre pour me dil intel de. C'est comme ça le fait. Et puis, c'est gardez-moi, ancien sénateur Anacassis, qui te dit, mais malade, pas me battre, il y a beaucoup de gens là non. Il dit, moi, tout le monde a pleuré là non. Mais malade, pas me battre, moi, appelle sénateur Anacassis. Je ne sais pas. Je vais sénateur Assine. Je me dis, ah, moi, sénateur Anacassis, c'est l'eau, oui. Il dit, je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas arrêter. Il dit, il dit m'kinam. À l'époque, pas de gagner de kinam. Pas de gagner faire indi. C'était kinam. Chut. Bon, comme ça, 35 pieds. Nous plongeons de monter. Et de ville droite. Nous. Moi, regardez, moi, un monde qui virait à un petit mallette qui a poussé un petit mallette là devant. Mais Moïse, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé pour l'argent dans le téléphone. Dis-toi. On est qui très, très prudent. Il est très professionnel. Il n'a pas parlé comme. Bye comme. Oui, regardez, moi, une dame qui a poussé un petit mallette là qui fait un signe. Il dit Michelson, en aller. Lui fait mal déposer le Delma 41, zone n'a comme. Kayon nèg qui rele Gérald Abel. Gérald Abel, ça, c'était nèg qui te kon bay moun kob pour Moïse Jean-Charles. Depuis la bay on kob, c'est Gérald Abel. Gérald Abel. C'est yon nan moun qui te responsable. Mais c'était géré d'affaires finance, économie Moïse Jean-Charles.
C'est ça le gérer, c'était gestion de l'argent. Gérer l'argent. Gérer l'argent. Tout le monde Moïse a ba encore, il dit comment on 3403 on va pas songer. Ouais. Et puis il va me déposer là. Il dit mettre monter, là moi était Pétionville. Monter Pétionville. Regardez mon nèg en chapeau paille derrière une moto qui semble à Moïse. Oh, actionnel, il monte camionnette, il monte petit bus, il monte moto. Depuis il prend l'argent, les gens qui avaient les balles, on les prend moto, puis il prend camionnette. Mais qui tourne la machine? Il met le vieux cabinet en tête, il crase les balles. Et puis, regardez-moi qui n'a pas. C'est un après, je prends le temps de l'embouche l'autre monde, que Bidiote baille $600,000 pour Michel Martelly, dans l'époque Moïse, pas accepté prendre $300,000. Vous croisez. C'est un après tout, c'est parce que m'te accompagné Moïse qui fait m'te qu'on vive l'été qu'on rencontre avec Sofia Martelly. Tout Bidjo te baye, sénateur, à 600 000 dollars. Elle bat pour 300 000 dollars. Vête, oui, non, président Martelly. Pour Michel Martelly. Pour Liprel. Après, il fait plusieurs rencontres avec Sofia. M'abdou ça tout, moi-même, si nous avons gagné un contact, l'ancienne première dame. L'ancien président Michel Martelly, c'est parce qu'elle était proche Moïse. Donc, moi, Jean-Charles, dit matin, c'est jouer Martelly. Moïse Jean-Charles, c'est mon balai. Moïse Jean-Charles, tape jouer en jouette. C'était toute sa chance. Chaque fois que lui jouait jouette là en face Michel Martelly pour Michel Martelly. Et bien, il a casé la matinée. Lui jouait jouette là en face l'ancien président Jovenel Moïse, son cousin, qu'il te dit pas famille, mais moins proche, il connaît, ancien consultant. Ok? Et ancien président Jovenel Moïse bon. Tout, c'est une nèg qui t'a demandé libérer. Et une nèg doit être libéré. C'est lui qui t'a bon contact et qui me joute. Président Jovenel. Fait des matchs pour moi. Yeah. Okay. Donc, ça que fait mon président Jovenel tout qui peut être président, c'était parce qu'il me bon Moïse. C'est une politicien qui pi abolotio professionnel, qui pi audacieux que nous connaissons. Moïse Jean-Louis. Oui, si nous pas pris dans elle. Haïti a prêté dans sa lia, oui. Mais monsieur Nicolas. C'est une nanèg, si nous pas prudents ensemble avec lui, peut y craser. À chaque fois qu'il y a un mouvement qui prend le fait, Moïse crée un moyen de craser. Sauf le dit là, il a annoncé 25 il va faire mouvement. Hein? Moïse Jean-Charles pas voulu dormir dehors. Ok. Moïse Jean-Charles pas voulu dormir dehors. Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles, ouais que Ariel pral tombe. Comment? Grande façon pour le supporter Ariel, c'est casser fait mouvement. Un bon exemple. Si nous. C'est ge... ça, non? Moïse. Non, 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 non. T'avais dit là. Mouvement. Sénateur a annoncé là. C'est Ariel qui vous dit, lui, ouais, qui pourrait le tomber avec. Ça, qui Philippe a fait à terre là. La regarde qui j'ai le cas sauver Ariel. Peuple haïtien. Mais causez. Si tout bon vrai. Nous voulons sortir dans un pass insécurité ça. Nous voulons finir avec corruption, kidnapping dans le pays. Pas prendre Moïse Jean-Charles au sérieux. C'est fait mobilisation, vous voulez casser. Si moun kap revendiqué, ou t'a pral réuni 1 million moun, li pral casser pour le prendre 700 000 à l'andol pour l'allon l'autre côté fonti bagay. Pour bagay, 300 000 pral représente une menace pour Ariel. C'est comme ça l'habitude, faire ni sous Jovenel. C'est job sale ça le fait. Est-ce que nous connaissons? Dans la minute que m'a parlé avec nous là, ministère employé dans ministère intérieur pas qu'à toucher. Chaque vendredi, Moïse Jean-Charles recevoir une enveloppe jaune. Mais cosé. C'est une non, l'autre qui recevoir enveloppe jaune. C'est chaque vendredi recevoir l'argent. Comment? Comment on va parler la bataille là? Léonette fait. Chaque vendredi, Moïse recevoir une enveloppe jaune. Bon, deux ministères intérieurs. Bon, monsieur. Comment on parle de la bataille là? C'est là nous qui est amené nous sortir en prison. Nous comment frais, comment belle. Ça veut dire liberté important. En pile, nous voulons liberté. Moi, mes liberté. Bon. Si Moïse Jean-Charles pas en volel, pas en corrompu, pas en corruptel, li pon assassin, pon criminel. Li pa on est qui ennemi pays a quel relève tribunal. Ma vie l'il. Ou assume tout ça ou dit là haut. Si Moïse Jean-Charles estime même faire mentir sur lui, que c'est pas mouvement ça le besoin écrasé. Même j'ai avec Pierre Espérance. Mouvement Guy Philippe là le besoin écrasé là sorti le fait là pour annoncer mouvement. Bon, moi pas le répéter mouvement Guy Philippe. Mouvement Haïti. Son pays qui a gagné qui en difficulté. Son pays qui a gagné, son kay nous gagne, y a quatre boulets. Mes amis. Guy Philippe choisit, dit mon cher, ma bataille
pour m'éteindre Difea, en éteindre Difea. N'importe problème yon moun ta gagné avec Guy Philippe, n'importe problème yon moun ta gagné avec Chelson Sano, embrasser dossier ça. Depuis dat ça, Moïse Yochal fait silence. La baie dans piscine avec Timi lat li dit le pa vle wè. La manger dans gros restaurant gain. La met en série de chemise si peuple la pas de bal mandal pas tap capable mettre. Couli wè gon mouvement te ki t'en lancé. Le 25 département l'ouest te ki t'en ta pral fermé. Effectivement au départ sénateur te clairement. Le 25 même 25 te ki t'en contre là. Li te dit gen yon différence entre leader et dealer. M'a fait un rappel ça pour auditeurs et auditrices Radio Télé Éclair et spécialement Micro Vérité. Micro Vérité. Moi c'était premier monde qui t'a annoncé dans matin débat ici hein. Guy Philippe t'a libéré 7 septembre dans première interview me débat là. C'est vrai, vous te dit ça. C'est pas sans raison. Ou des informations là mais où? Moi avec Guy, nous parler dans intérêt pays. Pendant en prison, pendant Guy en prison, nous toujours parler. Guy, moi en prison, Guy en prison, n'a parlé. Moi libéré, Guy en prison, n'a parlé. Moi libéré, Guy en immigration, n'a parlé. Ça veut dire moi t'ai toujours besoin d'un soldat, d'un combattant pareil moi. Qui t'entend nous combattre nous faire la prison. Qui prêt pour faire tête li passer pour un kamikaze positif pour retirer pays à dans sa lia. Moi t'ai gétant kamikaze positif. Moi t'ai gétant mobiliser toute jeune dans sacrifice pour sauver pays, c'est ça. Si c'est mourir pour mourir. Pour pays à changer. Que mourir dans minute m'a parlé avec nous là. Si m'a mourir pas changer que m'était vivant. Mais si c'est mourir pour mourir. Pour pays a changé dans minute que m'a parlé avec nous là. Pour nous gagner un autre secteur droits humains qui pas politique. Pour nous gagner un autre et nous bien s'attaquer Guy fort là. Dernier Pierre ça, Espérance ou va suivre discours Guy Philippe yo. Guy Philippe mandé craser système. Craser système nan vle di changer la justice. Changer droits humains. Retirer tout ancien abolotio politique yo. Retirez licence au sérieux d'avocat, oui. Renault Joël, maintenant, son vieux abolotio. C'est seulement l'argent. C'est seulement. On va parler pour Pilani là. C'est seulement l'argent. C'est pour les qui font procès. Ouvrez chez la chaud là. C'est pour les qui font procès. Renault Joël, green face pour le gros procès. C'est les clients. Mandez clients 2, 3, 400 000, 2, 3, 4 000. Bah, juge la 2 000 là, dans l'autre de ce gros avocat. Son rôle, son abolotio. C'est mouvement besoin écraser tout. C'est son ça, non? Ce mouvement, tout le monde qui campe en face, Guy Philippe, il n'y a pas de problème avec Guy. Il y a des problèmes avec peuple haïtien qui voulait retirer cool en bas pied, assassin, criminel, malfaiteur, kidnapper, voler, qui kembe pays a pendant plus que 10 l'année, moun pas ka sikile, tous pas ka rentre, j'appelle la kaimouen. Devant la kaimouen, non. Dans la section communale Savane Dibois, on a pu opérer. Donc, moi, tout petit, moi, blanc, français, canadien et américain, avec valise dans le dos, je ne sais pas si je suis encore. C'est moun sa yo qui fait tourisme pas 40. C'est moun sa yo qui fait Saint-Domingue valeur passer nous. Si nous dit, n'abjete Ariel, nous pas mettre tout bagay à zéro net pour nous demander l'armée, la police, prend responsabilité, nous pas faire rien. Moi, Chelson Sano, moi, prend responsabilité pour me camper en face tout volé. Dans l'intérêt pays. Ya. Donc, on dit matin, là, depuis que vous campez contre mouvement, ça a fait là, c'est demi pays. Depuis que besoin qu'on a gang, on kidnappe, on criminel, on vole, on corrompu, moun qui fait toute qualité corruption dans le pays depuis plusieurs années, moun qui te prend 1 500 000 goud, dans BM Bad, qui te plaide en après que tu as chargé dans le depuis parler de Tipeee, qui est là. Faut parler là. Tipeee, bien espérance. Tipeee. Où dit pas qu'on lit? Lui pour rejoindre moi interview, lui pour rejoindre le capable là. Son bébé, oui. Son bébé. Dieu a sal ça, c'est lui qui accepte de faire pour les États-Unis, la France et le Canada. C'est lui même qui est capable de faire job ça là. C'est lui qui est capable de faire job ça là. Moi, je demande diaspora, t'en prie. Pas prendre en provocation Moïse Jean-Charles. Ou dis pour. Mon petit Dessalinio. Mon petit Dessalinio. Moi c'est membre fondateur parti politique ça.
Moi c'est un nan moun qui t'a créé, qui t'a metté l'existence dans le sud-est pays. Ah, le pays. Ça veut dire que là avant nous. Si nous parlons, faire nous complices. Non, effondrement pays ça, s'il vous plaît. Même que nous derrière Moïse, c'est vrai. Mais nous par contre, si son monde qui fouillent tout, qui mettent un sac sous lui, pour lui voler toi, nous même pour nous tomber. Moïse a toujours dit qu'il est Costa Rica. Madame, il y a toujours Canada. Il est à Costa Rica. Il est à Costa Rica. Il voyage avec Moïse. Quel est le tribunal? Quel est le tribunal? Moïse est à Costa Rica. Quel est le tribunal pour le passeport pour le passeport pour raconter des checks ensemble? Moi, voyager avec des gens qui ont été nous. Ça me dit. Donc, vous déparez pour nous, madame. Oui. Vous déparez pour devenir gaz et micro. Nous, vous dites pour Moïse Charles pour mon honnête. André Fado, capable de Moïse Charles, oui. Moi par contre, il y a Costa Rica, il y a madame Canada. Puis fort bien c'est en Amérique latine. Okay. Mais quand moi connais son côté trois tiages on ca descendre ensemble du Costa Rica. Les amis, les amis. Trois tiages on ca descendre. Oh, il y a Costa Rica. Costa Rica, oui. Trois tiages on ca descendre. C'est la dame Moïse. C'est pas mon tissu. Le tribunal la vendé. Ça va quand nous on haus. C'est la dame Moïse. Si me fait mentir le tribunal la vendé. Passeport m'a parlé même toute soir dit matin là. Passeport m'a parlé pour moi. C'est la dame Moïse. Moi prends responsabilité. Moi prends engagement. Et auparavant, toutes les misères en face, Michel, et m'avait formé nous que comme il s'est pas président, il est sous fiel moi pour le passer pour président. Sous fiel nous pour passer pour président. Gon paquet de qui va chef pendant me vivant. Mais c'est pas qu'un chef encore. Gon paquet de qui et pas seulement lui-même. Qui n'est encore. Gon paquet de qui n'est encore. Qui n'est encore. Joseph Lambert. Thérèse de Honnête. Lambert. Lambert. Si c'est pas qu'à Sénat encore, peut-être qu'on dit Ligue Baron, Sud-Est-là. Ah, comment on tourne? Et t'es scoop. Nous prenons le parler de Guy, et nous pas besoin de peur. M'a bon monde pour me saluer. M'a cité nous. Toyo. Salut Toyo. On va nous dire. Toyo, vous avez une bonne réflexion. Ou solide. Mais espérez que vous attendez l'émission ça. Et puis nous partager point de vue nous ensemble. Accord et désaccord. Car avant de commencer l'émission, nous connaissons. Moi, pas jamais. Pour contre, moi. Et l'on est voulu changement, tout faut pas jamais pour contre. De vous voulez pour contre nos changements, et on va réussir. De même si vous arrivez, vous va pêcher quand même. Parce que changement, même s'il est en tête, tout faut partager à l'autre monde pour qu'à corriger. Parce que Haïti, c'est un pays difficile. Haïti, c'est glissé. N'ayez pas peur. Nous pas besoin peur. Nous pas besoin peur. Jovenel Moïse, tu es Jovenel. Nous pas même compte qui est-ce qui tue Jovenel. Jusqu'à présent, bon, on est auteur intellectuel là. Mais nous avons deux, trois personnes qui impliquent. Nous fait quatre actes sur Jovenel. Depuis l'homme fait ça, pas de monde qui fait un en plus. Seul entité qui font mal en plus. C'est la justice seulement qui a arrêté certains nègres. Donc, c'est même quatre figures. Je prends le dire nous des bagailles qui passent dans le pays. Parce que pas oublier quand même. Haïti débat. Scoop. Nous sommes dans Télémax. Faut ne pas oublier quand même. Je fais bah, on est dans 8 ans. Directeur information Télémax. Je fais 10 ans. Directeur information dans Signal. Ça veut dire avant ça. De l'université. Vous ne pouvez pas être bien comme vous connaissez. Scoop. Nous te connaissons, Mion. Nous te connaissons, dit Terrasson. Ça veut dire que nous avons fait une interview avec Aristide Lakaili. Nous sommes journalistes. Moun qui vient après moi, c'est Henri Guerri. Qui réalisait plus d'interviews avec Guy. Parce qu'à l'époque, même des directeurs d'information dans Signal, Henri Guerri, c'était reporter l'idée. Après ça, Henri vient animer l'émission. Et puis, Henri vient recevoir Guy plusieurs fois. Mais c'est moi qui organise, c'est moi qui recevoir Guy. Plus comme journaliste dans le pays. Donc, pour qui ça pour moun peur pour parler de Guy? Gen de Bahem Badi là, peut-être. C'est des vérités que moun connaît ou bien moun oublié. Mais moi, marqué tout, nous avons un problème de mémoire. Et pas peuple là seulement, non? Nous avons un problème de mémoire parce que là, nous pas gen éducation pour ça. Livin difficile. Et ça fait, nous toujours apprenons coup de bas politique et coup de bas politicien. Val, bonsoir. Avant de commencer l'émission, je vais saluer. Salut Davidson, c'est ça qui passe. Moi, nous pas peur nous-mêmes. Nous pas peur nous-mêmes. Bonsoir Gary, moi salut tout le monde, moi salut Davidson et
Et tout le monde qui a attendu, qui a regardé, qui sur Facebook, toute plateforme. Sur YouTube. Donc, je n'ai pas de peur. Moi, je suis vraiment pas de peur. Et je salue les techniciens autour. Donc, nous, là, pour l'émission aujourd'hui, qui sont une émission spéciale. Émission spéciale. Davison. Bonsoir, GBPC. Bonsoir, Val. Nous saluons SD qui est là. Et tout monsieur qui a fait manœuvre technique dans la radio et la télévision. Nous saluons tout auditeur, internaute, téléspectateur, émission ça. Et bien nous là, depuis nous là, c'est qu'une pas peur. Nous avons toujours fait travail non convenablement. Nous participons à une belle émission, GBPC. D'accord. Ok. Donc, ok. Saluons nos amis au Cap-Haïtien. Avant qu'il n'y ait pas la même, salut monsieur. Donc, merci. Guy Philippe est d'abord et avant tout un militaire. Il est dans le métier des armes. Monsieur Fett, 29 février 1968, ça veut dire Guy Philippe pral gagner 56 ans. Monsieur Tekati Frem, parce que plus grand passé, monsieur. Ou monsieur compte ça. Même si monsieur a posé plus d'action passé, mais monsieur Tekati Frem. En 2004, monsieur te gagné 36 ans. Ça veut dire son jeune garçon t'a goumé en 2004. Cage FM. Comme dit journaliste yo, Aïe, qui soutenu Guya, pas penser, c'est même émission mal faveur. Scoop. Mais vous respectez le droit, ouais. Vous respectez le droit. Parce qu'il y en a pile là qui est populaire. Ouais, disons très connu. Qui soutenu Guy, bon, ça c'est eux-mêmes. Mais moi-même, c'est pas démarche, pas ça. Contrairement à ça, moun pense Guy sont passionnés de littérature. Et monsieur champion national de tennis de table. Ça veut dire, même si monsieur dans le métier des armes, mais monsieur gagne l'autre compétence. Ce n'est pas un idiot. Son nègre qui a peut-être un niveau d'émotionnalité là-dedans comme tout haïtien, mais gagne de bagaille que monsieur connaît. D'ailleurs, c'est pas qu'on est haut, qu'il y a pas de café dans le pays. Donc, monsieur est entré en septembre 1992 à l'Académie supérieure de police à Quito, en Équateur. Monsieur fait 3 ans en formation. Et nouvelle, yo, information fait qu'on est, monsieur, c'est le premier. Non, on a mis ça. La formation ça, qui te gagne grade ça, qui te arrivé dans le niveau ça. Là, monsieur saute dans la formation, il est rentré en Haïti et il est rentré dans les forces armées d'Haïti comme cadet. Nous sommes longtemps, et bon, il n'y a pas de période de monsieur, mais des profils fait philo, où tu gagné. Tu commencé par l'université, parents, à l'époque, tu es toujours aimé pour petit sur dans l'académie. Bon, moi-même, je ne vais pas à l'académie parce que je ne vais pas faire la mère. Même. Parce que nous avons l'autre conception de pays, nous avons l'autre conception de la mère, nous avons l'autre culture intellectuelle sous question de la mère. Parce qu'avec Roger, petit frère, m'étais a priori, entre guillemets, ou même pas baille tête, mon satisfaction, donc marxiste-léniniste de conviction. Donc, cette affaire de l'armée, m'a tapé la donne. Jeune, d'ailleurs, il n'a plus bons amis, il n'a moun que m'tap suivre à l'époque, qui te connaît pas la même, c'était René Théodore. Donc, affaire l'armée, il a fait cardia, m'a tapé calado. Ok. Donc, Guy lui-même, Guy est entré dans l'académie. Mais, l'armée a été un problème à l'époque. Et lorsque l'armée, il était difficile
pour répondre à la police nationale. Scoop. Donc qui font paquet de temps Haïti débat. Que l'a cherché comme cadet, ancien cadet qui était pour formation en Équateur pour te rentrer dans l'armée. Et c'est sous régime René Préval, grâce à un directeur général que je connais bien, monsieur le Pierrot Denisi. À l'époque, Bob Manel était secrétaire d'État sécurité publique. C'est Pierrot Denisi qui a des rapports personnels avec Guy, directeur général ça, pour intégrer Guy dans la police nationale là comme commissaire de police responsable de commissariat Rouen-Amet. Par la suite, Guy pral vin diriger commissariat de Delma. Enfin, quoi, il était font titan dans commissariat cité Soleil. Mais faut me dire nous monsieur. N'est que le Pierrot Denisi à Bob Manuel là. C'est des monde qui dans la police ça pas gagne jouette dans bagarre ça. Nèg me dit ça ouvle. Mais pas pour ça. FM. Le Bob Manuel au côté où est son chef qui était là. Dans le pays d'Haïti. À l'époque, je salue Robert Denis, président directeur général de Télémax. Une des grandes émissions que l'impasse, mais c'est seul journaliste en Haïti. Qui était déplacé, Bob Manuel avec Pierre Denisé dans l'émission de Télémax. Pas de monde même qui connaît approche de Nego. Pas besoin de vous. D'ailleurs, on va parler. Ça veut dire, étant journaliste transversal, il y a un pile écoute dans l'impasse qu'elle est issue, pays en difficulté, et puis m'inviter, m'écrire, m'inviter, et puis Nego dit, il y a un vidéo de baquet. Laisse ça. Vous n'en avez quitté chef sécurité ou bien quitté une sécurité importante dans l'équipe ça si l'abtonem, monsieur le Gracia. Gracia, monsieur Abtravay, non maquette que m'babcite non. Et le ça, Gracia te paraît avant, n'en go débarqué. Donc, ceci dit, Pierrot Denisi, li intègre Guy dans la police nationale là. Et, monsieur rentré, la prévolue, la fonctionné. Pendant la période ça, ou bien tout de suite après la période ça, le pays a pral bouleversé. La crise politique là pral commencé. Scoop! Laisse ça venir assassinat de Jean-Léopold Dominique. Pas oublier, me dit nous dans Télémax. Haïti débat. Le. Moi, dans Télémax, ça, monsieur. Réunion salle des nouvelles, là, faite à 9 ans. Puisque, nous sommes à Foufeuille. Moi, quitter la caille, chaque jour, à 6 heures, ou bien 6 heures 10, m'a passé prendre Sandra du Vivier pour nous arriver à 7 heures. Pour me tendre toute radio, pour me capable faire synthèse actualité, hein? Et puis pour mon qui dispatch, qui m'a dispatch au porteur pendant la journée. Donc, moi fais ça du lundi au dimanche. Attention. Et qu'on y a moi, depuis le vendredi, tout le journée est à la caillou. Haïti débat. Depuis le vendredi, tout le journée est à la caillou. Et puis toute information m'est passée, pas aucun problème. Et puis il a retourné lundi matin. Nous songeons, moi et Maïtson, nous pas jamais dormi, nous avons travaillé toute la nuit. Là, la gare, nous parlé en téléphone. Là, ça a été Haïtel qui était à l'époque. Nous avons travaillé. Donc, c'est pour me dire, nous. Ma vie sous Jean-Dominique. Jean-Dominique pral mourir pendant la pentrée dans la radio. Et comme étape suivre Jean comme modèle. Moun met gen problème avec Jean. Vous comprenez?
Nous avons suivi Jean. Et puis, nous tendait Jean Brambal dans la radio. Il a annoncé ça. Je courais les Sandra. Sandra, qui est une réalisatrice et caméra-woman. Mais ce n'est pas caméra qui a sorti en reportage. Sandra, pour caméra, nous piquer, nous monter dans Tel Haïti. Nous sommes les premiers qui nous vivons. Scoop! Donc, ça veut dire que c'est pour montrer. Vois ça. Que y aurait les gens Dominique là. Monsieur Kondi et m'a cité. Haïti débat. Haïti débat. Monsieur Fayon, actualité à boule pour point. Sous Charles-Marie Peralte. Monsieur Radio a dit l'actualité à boule pour point. Haïti Inter fait le point. Et puis monsieur dit, on voit rager. Les peuples sont comme les arbres. Ils fleurissent à la bonne saison. C'est ce que nous a appelé un autre général, notre compère, le général Soleil, le bien nommé. La belle saison que nous vivons aujourd'hui est celle de la renaissance de Charlemagne. J'ai dit bien renaissance et non réhabilitation. Le terme serait injurieux pour la mémoire de ce général des hommes libres que fut Peralte comme l'autre. On compte tout, oui. Vous comprenez? Mais on n'a pas nié mon ça, parce que c'est des guillemets de balai. Mais pendant la période, ça, n'est que ça a mouru. Scoop! Pays a mouru! On voit disparaître. Et pas jamais encore. Pas jamais de Jean-Dominique encore. Haïti débat. Donc, Jean-Dominique mouri, Pasteur Leroy mouri, et Yvon Toussaint pral mouri, qui c'est un sénateur OPL. Et pral gagner une rumeur de coup d'État qui a circulé dans le pays. Livine 17 décembre 2001. Yo di go équipe nèg qui rentre dans le palais et qui a tenté de faire un coup d'État sous Jean-Bertrand Aristide. Tentative de coup d'État ça a raté. T'es gagné au moins 5 moun qui mouri. Plusieurs assaillants, si je vois bien, rentrent dans le palais. Selon pouvoir, c'était Guy Philippe qui était à la tête. Il dit selon pouvoir. Après ça, puis devant, il dit ça qui passe. Nous sommes en 2001. Oui, 2001. Et assaillants rentrent pour tenter pour renverser Aristide. Mais rentrent à 2h30 du matin. Haïti débat. T'es dans assaillant ça haut. T'es des gens qui t'a parlé, c'est vrai, c'est sérieux qu'on fait. T'es des gens qui t'a parlé espagnol. Ils sont entrés dans la cour, ils sont entrés à bord de deux pick-up. Ils ont fait exploser une grenade. Scoop. Et ils ont fait des rafales, balles automatiques. Gros âmes capturées en la balée. Gros même commando que ont retrouvé mourir dans la cour. Après annonce attaque ça, plusieurs milliers de monde prennent la rue. Parce que pas oublié, non? Jean-Bertrand Aristide, populaire! Pas joué, non? Haïti débat. Et beaucoup ouais dans l'histoire, beaucoup ouais dans bah, ça qui est qui plus populaire parce que Jean-Bertrand Aristide. A fait gado, même sous contre la valasse, ou a dissolvé. Mais ça m'te connaît, titi, ça m'te connaît. Qu'a fait chède pour lever sous roi, qu'a fait crier toute la journée, hein? L'aile pour coup d'état, moun ap mouri, moun ap crié, affaire de popularité, ça, son bail incontestable. Maintenant,
de deux policiers qui mourent, Val. Gen 6 moun qui blessé, gen 2 passants, 6 policiers qui blessé, gen 2 passants qui mouri, gon mam commando a ki rejoint mouri nan la croix, ça me te dire. Après annonce attaque ça, moun yo prend la rue. Yo te gen nan men yo manchette, bâton, revolver. Yo rassemblé devant palais. Cage FM. Haïti débat. Yo tellement excité, manifesté, yo dit tout journaliste déplacé. Il a attaqué journaliste Radio Métropole, il a attaqué journaliste Caraïbes, il a crasé vite machine dans les Caraïbes. À l'époque, tout nèg obligé de jeter. Parce que là où il y a chaud, le peuple a souffert. Jusqu'à présent, personne n'a pas confirmé sa bagaille, sa atteinte. Mais il a cité nos mouns. Nous comprenons, mais personne n'a pas expliqué saleté. Mais il a dit son coup d'état raté. Kounia, nègre l'opposition et moun qui anti Aristide, mais ça il a dit à l'époque. Il a dit son faux coup d'état monté par le régime en place, à savoir la Valas, pour justifier répression sauvage que vous pouvez faire contre l'opposition démocratique. Tu es là? Donc, suite à sa situation, ça, que certains moun qualifié à l'époque de mise en scène, pouvoir, ça veut dire, l'homme dit pouvoir, c'est pas un mot d'ordre de régime nan nommé. Comme les populaires, grand pile net qu'il y a régime nan, qui n'a pas la foule là, Nego explique que pouvoir, parce que m'a suivi tout, mandé pour attaquer parti politique. Et c'est comme ça, local, plusieurs partis politiques par le boulet. Local OPL, boulet. Local Konakom, boulet. Local MDN, boulet. Local KID, boulet. Résident Gérard Péchal, boulet. Kay Victor Benoît, boulé. Kay Luc Mesadieu, boulé. Et répression ça, fait. Faut ne pas oublier, civil armé, à l'époque, c'est eux qui te fait. À l'époque, ils étaient les chimères. Ils sont dit, monsieur, les chimères, ils étaient les chimères. Chimères, ça, ils ne pas oublier, non, ils quittent l'université. Faut me rappeler, nous, ça, ils étaient pris un local, Inagea. Et ils ont entré dans le local là, ils ont cassé pied recteur là, et ils ont gagné un universitaire qui pourrait mourir, et ils ont pris le fantôme, monsieur, ils ont pris le porter cercueil là, dans l'Inagé, et c'est Evans Paul Kaplim qui était obligé de déplacer comme membre de l'opposition pour aller faire négociation avec Negro, pour parler avec Negro, pour Negro, pas quitter le cadavre là, en dedans l'Inagé. Scoop! Devant l'évidence de désordre qui gagnait, de crise politique aiguë, un contexte politique explosif, avait dit, moun pas la province, moun a mouri, journaliste a pris, après, pas qu'à parler, etc. Donc, parti politique a contesté Jean-Bertrand Aristide à l'époque. Sous recommandation OEA, le pouvoir de Jean-Bertrand Aristide à l'époque acceptait dédommager les victimes. Il y a un parti politique, l'agent. Il y a un chef parti politique, l'agent. Il y a un cob pour qu'il y ait été brûlé. Mais il y a un bagage qui peut passer. Il y a un qui dit ah, bagage, ça n'a pas été fait. Comme c'est pouvoir là-bas, la Sakfel, je ne prends pas comme l'État, je mets Kembe comme l'État, c'est Aristide même pour qu'il t'a dédommagé. Evans Paul, après l'argent. Scoop! Je devrais rappeler tout le monde ça, c'est seul nègre qui refusait. Tout nègre au PL, tout nègre qu'on a comme, tout le monde dépend. L'homme dit ça, c'est pas que m'a dit, yo pas bon, non? Moi, dis nous, m'a raconté nous l'histoire. Evans Paul, pas de point comme ça. Haïti débat.
faut pas oublier me parler de l'accusation Guilla. Me dit son accusation, faut me rappeler nous. Yo t'ai déjà accusé Guy en l'an 2000 que le tape font coup d'état. Vous souvenez? Il a déjà accusé le déjà que tu as fait coup d'état parce que l'étape gourmet pour Aristide pas tourner parce que Préval pour organiser l'élection pour Aristide, l'étape gourmet pour le pas de Aristide tourner d'après ça, Audi. Et l'an 2000, et Guy pral prend exil et Guy gagne pour retourner pour venger. Scoop! Scoop! Pas oublier, non, tout ça m'a dit, c'est Guy m'a mis en relief pour nous comprendre qui ça, monsieur, y est. Avait dit, ça nous est là. Monsieur gon histoire, li gen yon vie, li gen yon, li gon jan te évolué dans société a. En pile moun pa te konnen, moun ki konnen yo, yo pa estimé que nous doué font exercice de mémoire pour expliquer pays a ça qui passé parcours qui a extrêmement important pour nous comprendre Guy Jodi a. Vous écoutez? Scoop. Haïti. Scoop. Guy donc, en exil. Depuis 2000, Guy en exil. Les bails ont passé à pas accuser Guy. Mais, pendant Guy en exil, mobilisation, puisque on vient boule kaye moun, etc., boule kaye leader politique, mobilisation anti-Aristide là, pour aller continuer. Et vous qui est le NDAPET, accompagné de Yannick Lines, Lionel Trouillot, Haïti Débat, Magali Komodoni, Raoul Peck, les membres des partis politiques, etc. Tout ce beau monde. Donc, groupe des 184, ça, il peut aller continuer mobilisation dans la rue. T'es gagné tout, il me l'a rebut. T'es gagné Micha Gaillard, de triste mémoire. Jean-Robert Lalanne, et Frenle Denis, et surtout, t'es gagné ancien ministre de l'Éducation nationale, Ronnie Deroche, c'est monsieur qui était chef de société civile à l'époque, il t'a mené mouvement dans la rue contre Jean-Baptiste Aristide. Mais le fer de lance de ce mouvement anti-Aristide était NDAPET. Vous écoutez votre. C'est monsieur qui t'a mené, et puis reste pour nous, t'es de elle. Tout le monde sort cité là, y compris l'autre monde ne pas cité, voulait le départ de Jean-Bertrand Aristide. Et le mot d'ordre à cette époque, manifestation, yo, c'était Grenan Mouda en aller. Grenan Mouda en aller. Grenan Mouda. GNB. GNB. Maintenant, malheureusement, Scoop. Devant l'immense popularité. Devant l'immense popularité de Jean-Bertrand Aristide, quoique la police nationale a été vassalisée, mobilisation était insuffisante pour renverser le prêtre président populaire soutenu par une masse compacte composée de plusieurs milliers d'individus violents armés pour protéger le pouvoir populaire de Jean-Baptiste Aristide. Ces gens, communément appelés chimères, nexayo, c'est au tap kembe pouvoir. Et puis tout le monde sous pression. Aristide a résisté face à opposition. Ça, Goumé a fait dans la rue toute la journée manifestation. Opposition vine essoufflée. Opposition vine paix du force. Opposition vine pas gen jus mobilisation encore parce que t'es gen kob pour mobilisation. Kob ap dépensé, maillot ap dépensé, flyer ap dépensé, etc. etc. Li vine gon côté, yo pas capable encore parce que popularité ici de là, immense et incontestable, yo pas ka jeter. Il a fallu. Suivez-moi. Un bras armé pour
soutenir le mouvement revendicatif pacifique des forces de l'opposition. Haïti. Elle dit, société civile, parti politique, etc. Tu as besoin d'un bras armé. Parce que mobilisation pacifique là, pas utile. Nous racontons pas Vinaguia. C'est ainsi. Guy Philippe a été sollicité adroitement, subrepticement, en créole, en bas, comme si on fait monsieur un signe. Scoop. Adroitement. Scoop. Par certains membres de l'opposition pour aider à renverser Jean-Bertrand Aristide. Et de l'exil étant, Guy, à la tête d'une armée, rentré en Haïti en passant par la frontière haïtiano-dominicaine. Donc, je vais expliquer passage, mais ce n'est pas côté premier, côté deuxième, côté troisième côté, mais non, lié droit de ça. Maintenant, Guy rentré. Yo recevoir Guy, même s'il est à l'autre côté, moi parler, yo recevoir Guy go naïve, en triomphateur, comme le chef suprême, comme Dessalines, comme le sauveur. Mais pour qui raison yo recevoir le consacre? Et c'est seul côté Guy fait alliance, visible, ouais. M'ajouter ça. Seul côté le fait alliance visible, c'est dans Gonaïve. Pour quelle raison? Parce que dirigeant armé et cannibale, il y a un contentieux historique que a réglé avec régime Lavalasla, parce que régime Lavalasla tué à Biomété. Scoop! Monsieur les Cubains, hein? Régime n'a tué. Donc, il y a bien content pour faire alliance visible avec lui pour venger la mort d'Amio Météé, assassiné par un certain... O'Donnell Paul. C'est ce qu'on avait dit à l'époque. Par contre, les messieurs sont qu'on arrive, ça veut dire monsieur déjà la Tibonite n'amène. Par contre, au cap haïtien, c'est seul côté qui peut jouer une résistance. Fait papier l'histoire. Guy rentre, yo di mwen, scoop, li jwenn nou résistance nan barrière battant. Non loin de Milo. Parce qu'à l'époque, te gen nèg armé qui était à la solde du maire de l'époque, Moïse Jean-Charles, qui fait résistance. Et puis qui gourmet à Négo. Mais finalement, devant la puissance de feu du combattant libérateur Guy Philippe, Négamé Moïsio, Négamé Lavalasio, yo bat ba. Scoop! Et Guy, scoop! Continuez route li pour aller vers d'autres objectifs, pour faire conquête d'autres villes, l'autre commune et l'autre département. Haïti débat. C'est si. Port-au-Prince a tremblé. La peur t'est installée dans tous les couloirs politiques, sociaux, économiques et culturels. C'était la peur panique, c'était la peur totale. Parce que Guy Miobale, à quelques pas de Port-au-Prince, Guy et ses hommes, il a préparé pour lancer l'assaut final face à l'imminence de cette guerre totale. Et sans merci, les grandes puissances ont décidé de contraindre le président élu démocratiquement, le populaire, l'inoubliable, l'incontestable, pour faire plaisir à Darius, l'incontestable président de la République, Jean-Bertrand Aristide. Haïti débat. Blanc m'a dit Jean-Bertrand Aristide, allez. Mais,
Yo mande l'aller pour deux bagay. Pour éviter deux bagay. Ça devient de plus en plus intéressant, monsieur. Évidemment. Yo mande l'aller pour éviter que qui va rentrer. Parce qu'il y a un bain de sang. Et si qui entre, bain de sang, monsieur, qui est directement le président, il prend pouvoir. Donc, blanc dit ici d'aller. Pour qui pas rentrer, deuxièmement, blanc voulait éviter que Guy rentre dans Port-au-Prince en triomphateur pour toi, Chita, dans le palais national. Donc, il a créé espace-là. Et puis, blanc reprend contrôle tout le bagage. Et après, Guy prend le vini. Guy, les Guy a rentré. Ça veut dire applaudi tout côté, par un pile haïtien, monde, content. J'avais dit groupe 184, tout le monde qui était dans la rue, Grand Namouda, anti-Aristidio, tout le monde s'est pas la quai Guy. Il n'y a pas de prendre Guy comme mon Dieu. Et à l'époque, s'il pas noir, il était avec les cheveux longs, il était avec l'autre couleur peau, ou tu as dit c'est mon Dieu en personne. Scoop! Comme Dieu est dans l'imaginaire des gens, donc c'est pas une question de foi, donc nous sommes capables de comprendre autrement. Maintenant, Guy est tellement confiant et sûr qu'il prend d'assaut le pouvoir. Je me rappelle à l'époque, Guy a annoncé qu'il prend fêter anniversaire naissance li dans Port-au-Prince. Haïti débat. 29 février. Parce que 29 février. Et m'a parlé là, on va. Donc, tout le monde connaît que Guy fête le 29 février, je me dédia. Mais, il faut être honnête. Il faut être honnête. Pour dire, c'est Guy qui portait dernière touche. C'est Guy qui poussait dans Jean-Bertrand Aristide. Pas de aucune manifestation ou bien chef manifestant qui était capable de faire ça. C'est la puissance de feu. Les armes de Guy Chamblain, etc., c'est eux-mêmes qui poussaient et renversaient le pouvoir à l'époque. Scoop. Et c'est lui qui ébranlait le pouvoir à la Valas. Et ça fait, comme dit-nous, le contentieux est toujours là. Je reviendrai sur ça. Le contentieux est toujours là. Donc, Guy était à l'époque un mal nécessaire. Capable de renverser le jeu des rapports de force en faveur de l'opposition. Mm-hmm. C'est Guy Fell, c'est Guy même qui mettait l'opposition dans la situation pour prendre pouvoir. Maintenant, une fois objectif là atteint, Aristide est parti, Guy a donc été exclu. Ah, vous comprenez pas là? Il avait dit question pouvoir, Val. Guy exclu. Cage FM. Et Guy pensait que au trahil. Parce que Guy n'a pas récolté ce qu'il avait semé. Le fruit, n'est-ce pas, de sa lutte. Il avait dit, comme tu as dit, ce qu'il avait semé. Donc il n'a pas récolté. Donc Guy pensait que au trahil. Il a utilisé Guy. Oui, bien sûr, on va le dire ça là. À la suite, bon événement qui va arriver. Quelques jours après le départ d'Aristide, vide là, installé, bon conférence de presse, Guy Bralbaï, pour l'annoncer, tellement le vexé, parce qu'il a exclu, que le pral est dans le palais national. Il va en parler, hein? C'est pour nous comprendre que Guy n'a pas de jouette. Rappelez que je ne suis pas en train de faire l'apologie de Guy. Je suis en train d'expliquer. Au fond, historiographie, donc de retracer ça passé. Son parcours. Mais là, Guy finit balai, Amérique répond. Je ne dis pas sa pièce. Si on répond, monsieur, on porte parole au département d'État, répond, il dit pas de sa pièce. Chut. Guy Goulet. Scoop. Vous comprenez? Guy Goulet. Maintenant, leader politique, représentant société civile et secteur économique, là,
y a préparé pour aller faire chouer rave pour prendre pouvoir. Coup de théâtre. Et blanc ap mené là. Scoop Boniface Alexandre. Président de la République. Le 29 février 2004. Jour même anniversaire Guy. Il a installé Boniface. Boniface prête serment. On t'y cérémonie tout petit durait 7 minutes comme ça. Dans primature. Laisse à Yvon Neptune qui était premier ministre. Et quelques jours après, soit le 12 mars 2004, le Conseil des sages, au lieu que yo bail, yo prend un monde qui était dans la rue, etc. Mais qui était l'opposition, au lieu que choisir qui bail bail comme ça, il y a deux monde qui sont liste là. Yo font liste de monde, deux monde qui sont liste là. Dictatorialement par les forces. À l'époque, yo mettait Gérard la Tortue avec Kéra Abraham sous liste là. C'était réel comme à courel. En pique 90% de monde connaît, c'est Kéra Abraham qui est le premier ministre. Dans 10% de monde, m'te dans 10% que tu connais Kéra Abraham. Haïti débat. Hein? Haïti débat. Très simple, mal expliqué. Mal expliqué. Conseil des sages là, il a gagné Anne-Marie Saladin, qui c'est directrice générale Radio Signal. Le SAM, c'est directeur de formation moi-même, Radio Signal. Je compte toute nouvelle. Et là, Ariel déplacé pour venir dans la réunion à Anne-Marie. Je compte là. Donc, non, je compte un signal là. Donc, dans 10%, c'est le monde qui te la donne. Ok? Mais, il y a l'autre information encore. Le, il y a fin de mettre Gérard Latortue, pas oublier, c'est conseil des sages qui choisit. Gérard Latortue, sans assise politique, et monsieur a une mission pour mener le pays à l'élection. Scoop! Scoop! Et Ariel Henry, qui fait partie, qui fait partie du conseil des sages à l'époque, monsieur a déclaré, et m'a dit nous ça, monsieur a dit. Cage FM. Il y a besoin au minimum 9 mois pour organiser l'élection législative à l'époque. Et c'est ce même Ariel Henry aujourd'hui qui est premier ministre. On ne comprend pas. Donc, tout le monde saisit, ouais, Gérard Latortue, tu n'as pas de base. Et puis c'est Gérard Latortue qui a choisi. Mais il faut comprendre pour qui ça est Gérard. Je dis nous pour qui ça est Gérard. C'est aujourd'hui à Mabdine. Parce que. Sous pas non côté information ou pas parler à moun. Non, vous pas parler de ça, m'a parlé. Votre radio. Gérard Latortue. Scoop. T'es qu'on voit un cob by l'opposition. Contre Aristide. Ça veut dire, monsieur, qu'on a participé sur le plan financier. Ça veut dire, monsieur, a financé le mouvement. Donc, là, on choisit. Gérard Latortue, comme expert international, etc. Nèg l'opposition pas qu'a dit rien parce que on connaît monsieur Tabouy comme. Tu as acheté pouvoir. Donc c'est un monde pas yo. Yo comprendre son monde pas et ou pas voir ça pile devant. Et c'est ça que fait. Dans le gouvernement, Gérard va le faire avec Boniface là ou va joindre Era Abraham comme ministre des Affaires étrangères qui était dans le mouvement anti-Aristide Ladou. Madame Daniel Cello qui est ministre commerce, qui est dans le groupe 184. Pierre Buto, qui est dans le groupe 184, là, qui est ministre de l'éducation nationale. Bernard Gousse, Zambim, Frem, qui est ministre de la justice, qui était conseiller dans l'affaire juridique dans l'affaire 184. Et finalement, la grande dame, Magali Komodeni, qui est ministre de culture, qui était une amoune faire de l'instant 184. Donc, les gens qui étaient dans la rue, ils ont investi, ils ont pris le pouvoir.
c'est Guy Baladon. Et Guy Baguerre. Et Guy était très frustré. Et même policier ou bien militaire qui était accompagné Guy pour faire mouvement, yo comprend, yo pas mettre dans une situation de bien-être, etc. Nèg sa yo, yo exclu yo, yo humilié yo. Scoop. Et au-delà de ces postes ministériels, plusieurs personnalités du secteur privé, je vous regarde droit dans les yeux, ont eu des privilèges inimaginables. Ont eu des privilèges inimaginables. Haïti débat. Haïti débat. Scoop. Ils ont eu des franchises pour ne pas payer rien pendant des années. Ou des contrats pour faire ça ou vle dans le pays. Ou des contrats pour bailler la police manger. Côté a fait plusieurs millions de dollars. Et il a fallu l'arrivée de Mario André Sol comme directeur général de la police nationale pour te dire bagaille ça n'a pas capable de faire. Parce que ou seul monde pas qu'il y ait tout contrat dans la police là. Donc, M. Choix cherchait l'autre monde, il fait appel d'offres pour le bail contrat. Pendant ce temps, Guy Philippe a de grain. Nexa Ovin, super riche. Donc, Aristide est parti. Haïti débat. Statu quo, maintenu. Mais comme nous t'ai toujours dit, pouvoir. Il changer de main, mais il n'a pas changé de maître. C'est même Mathieu qui prend pouvoir. Et qui t'a renversé Titi. Pendant la période ça, Guy se retrouve sans pouvoir. Sans poste. Et Cage probablement FM. Sans argent. Scoop. Et Scoop. Il t'a exprimé frustration. Et comme j'étais directeur de l'information d'Assi à l'FM et présentateur de l'émission que les Haïti aujourd'hui a, Guy était venu tout le temps dans la radio ça. 90.5. Gros radio à l'époque, chargé écoute à l'époque, pour expliquer, Guy a expliqué son ras-le-bol, ses frustrations et dénoncer ses frères, Nekita Pedelio. Il a dénoncé eux. Et l'a pas accusé de conzé. Val. Ouais, Val. De conzé. À preuve. Guy Philippe. Dans dynamique de dénonciation. Haïti débat. L'annoncé une série de révélations. Non livre. Que le temps a écrit. Qui est le temps des chiens. Que l'annoncer sous signal Namiko. Le temps des chiens. Jusqu'à présent, Val, Davidson, j'attends encore la publication de cet ouvrage, Le temps des chiens, parce que j'aimerais bien identifier ces chiens, parce que le temps pour moi est révolu. Guy doit revenir sur le temps des chiens, parce que les chiens sont encore là. Nous tendez à broie-maillot de ces chiens-là. Mais je pensais que Guy allait les nommer. Mais jusqu'à présent, Guy pas fait. Et c'est une question que Guy doit répondre moi, n'importe qui l'est. Peut-être qu'il a ses raisons. Ouais. Mm-hmm. Le temps des chiens. Donc, et par la suite, Vingé dans le pays a toute une série d'informations concernant Guy. Et puis, opération qu'a fait de Guy. Pestel. Opération BLTS dit, ça veut dire grosse série d'informations. Mouna parlé, etc. Mouna parlé de Guy, etc. Parlé de Guy, etc. Ou est-ce que je m'abonne des questions? Nous, est-ce que il a parlé de Guy? Parce que beaucoup, j'en mouais jusqu'à présent. Où n'est-ce qu'il a arrêté? Et puis, monsieur dit, il te fait ça à Guy, il pas te fait ça à Guy. Mouna
Donc, et pas moi pour vintil. Nèg met continue dil, mais pas pour ça m'vin là. M'vini pour m'di, ça m'connaît. Donc, mais, oh les opérations, j'étais dans le pays, m'connaît. Hélicoptère toute la journée, des gui DIE, des BLTS, des gui. Et puis, qui sous pression. Et, c'était le silence. Un silence long du chef des rebelles. L'homme de 2004, je dirais. Si à peine à l'époque était considéré comme la figure emblématique de les mouvements de contestation dans les rues de Port-au-Prince, Guy Philippe était représenté le sauveur de l'opposition. Et pour la Valas, Guy Philippe, son rebelle, son putschiste, Guy est l'ennemi public numéro un de la famille Lavalas, donc de Jean-Baptiste Aristide. Scoop! Si Lavalas perd du pouvoir, c'est qui? Évidemment, il faut nous connaître le mouvement qui est dans la rue, mais c'est qui? C'est Guy qui a renversé. Donc c'est Guy qui est ennemi. A preuve, je ne sais pas Guy parler à Aristide. Même quoi? Et puis certitude, ne quitte dans la rue, ne quitte pour Guy Aléo, ne quitte pas ici Aléo, yo parler avec Titi. Scoop! Scoop! Je vous écoutez. Haïti débat. Scoop! Haïti débat. Donc Guy, replié définitivement au niveau de la grandance, et certains m'ont dit qu'elle toujours était pestel, les habitants dans la zone protégée parce que son papa lié, en plus le monde remet monsieur, etc. Ok? Cage et Guy, vive l'autre Boa et vous considérez Guy comme un leader incontesté. 107.7 FM. En 2005, lors de l'élection qui va organiser le 20 novembre, tu as gagné 32 candidats à la présidence. Parmi eux, qui t'aiment citer, certaines figures importantes et emblématiques de notre pays. Mm-hmm. Dumas Simeus, ou de Gonen? Riche homme d'affaires. Monsieur Tap vivre aux États-Unis. Monsieur Vinotré, comme candidat à la présidence. Leslie François Saint-Roch Maniga. Notre Maniga. René Préval. Et parmi tous les candidats, ça y est. Guy Philippe, rebelle sauveur. Haïti débat. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rose Claire, nous saluons. Merci beaucoup. Donc, pendant l'élection présidentielle sa fête, pas oublier non, Guy, qui sauvait PIA, qui met PIA dans leur dynamique, entre guillemets, elle me dit sauver PIA. Parce que bah, la Valas pour la Valas, Guy tuer démocratie pour la Valas. Mm-hmm. Ouais, mais pour le monde qui est dans la rue, Guy finit de sauver. Maintenant, élection faite, Guy fait 1,92% de voix exprimées. Soit 37 300 votants. Malgré aide qui était portée par le pays pour te libérer, entre guillemets. Malgré engagement que qui te prend, il a déconstruit Guy dans les yeux de l'opinion publique. Et amis politiciens, il a dénoncé Guy. Et peuple là à l'époque. Scoop! Scoop! N'avait pas vu en Guy un président. 107.7 FM stéréo. Haïti débat. C'est mon point de vue, ma bain, non? Puisque je n'ai pas voté. Haïti débat. Je n'ai pas voté. Non, depuis, j'ajoute. Mm-hmm. Malheureusement. Vous comprenez ça me dit malheureusement? Mm-hmm. Parce que, par contre, ça a été avec comme résultat. Mais tout le monde qui prend pouvoir après ça, moi, ça va pas. Donc, maintenant, qui s'en est? Nous, on va s'en faire. Mm-hmm. L'homme dit malheureusement, ce n'est pas quelque chose que je souhaitais le dire en faveur de Guy. Mm-hmm. Mais Guy pas prend le pouvoir. Mais tout le monde qui prend le pouvoir, je dis à remettre dans une situation, pays à genoux la faillite. Donc, et pays à pas si mal que ça. Nous ne sommes pas où est ça, Guy. Tu es capable de faire. Mm-hmm. Et c'est pour ça que j'ai ajouté malheureusement. Okay, okay. Donc, comme si allez nous, que sous président Joseph Briver, chef rebelle là, il t'a accusé parce qu'il a dit que tu es menant attaque
sous commissariat de Kaye. Nous songez bien ça. Date ça, c'était 15 mai 2016. Et Guy, il était invité, monsieur, commissaire gouvernement Jérémien, monsieur Elé Roosevelt Zamor. Il était convoqué, Guy Boudé convocation. Il va bien, non? Guy Fort. Mm-hmm. Boudé convocation. Par la suite, il y a un mandat que le chef parquet au Kaila, Benoît Noël Voé, Guy Boudé. Bon. Et un vécu une expérience électorale humiliante. Même désastreuse. Catastrophique. Guy, un chef de guerre, intelligent. Monsieur Lancel, dans les élections sénatoriales de 2016, sous la bannière de consortium des partis politiques alliés du PHTK. Haïti débat. Pendant l'élection, ça, je dis n'a pas les 20 minutes. On a allé. Pendant l'élection, ça, monsieur, il a été élu sénateur de la République parce que monsieur fait 22,49% des votes. Monsieur bat Sorel, monsieur prend devant Sorel. Selon procédure, il y a beaucoup de gens qui jouent, mais il commence à gens qui ne jouent là. Selon procédure, une fois que candidat élu, candidat fin élu, il faut rentrer à Port-au-Prince pour aller dans le conseil électoral là, pour recevoir un certificat. L'élection de certificat, la descend dans le Parlement pour la prêter serment. Et il peut qu'on finisse, non? Élu ça, il doit tenir une décision d'une commission de validation qu'il a créé en dedans. Les commissions de validation finissent valider pour voir monsieur. Et c'est là ça, monsieur a bénéficié de l'immunité. Vous entendez ça, Mabdia? Oui. Donc, dans le cadre de ça, selon parlementaire, selon spécialiste parlement, selon constitutionnaliste, Guy a été un sénateur élu, non assermenté. Il ne pouvait pas bénéficier de l'immunité parlementaire. C'est peut-être à cause de ça qu'il fait, il t'a suivi pendant longtemps comme ça, pour qu'il arrête pour tout ça, il n'a pas été fait, parce que ça, il n'a pas été arrêté, Guy. Il a toujours arrêté, et comment le lien? Non, même si il faut les élections pas parler. Voilà. Non, non, c'est pas oublié, non. Guy a fait pas même bagaille. Guy a fait pas même bagaille. Nous avons fait une émission sur ça. Maintenant, à rappeler que Guy, lui-même, il était informé que le connaît qu'il va l'arrêter. Je vais tourner sur l'information que le débat est déjà. Hervé Foucan dit ça. Directeur général de la police a dit ça, lui-même lui connaît ça, lui te voyait sécurité que le connaît dangereux Genzam à lâcher des bagailles, et puis Guy marchait, Guy vint là sans être invité, et Guy sorti là pendant la sortie. Nous connaissons l'histoire, il a arrêté Guy, il a arrêté Guy en héros, ajoutez-vous nous. Parce que si on te prend Guy ou l'autre côté, peut-être il doit dire échange de tir, Guy mourit. Donc Guy choisit côté pour arrêter là pour gagner la vie. Sénateur élu, monsieur passe son temps très court dans le CPJ et extradé monsieur Val aux États-Unis pour être jugé. Malgré l'intervention sénateur, a dit Lambert, Youri, tout le monde qui était là. Il a fait pile pression, grand quoi a fait pression sur la police, mais PNL n'a pas bougé et il a transféré Guy aux États-Unis dans le pays de l'Oncle Sam. Et nous connaissons l'histoire, Guy plaide coupable. Il est passé 6 ans dans la prison après avoir probablement collaboré. Parce que tu as fait quelques temps, tu as collaboré, il fait 6 ans. Et après 6 ans, il a libéré monsieur. Et il a déporté en Haïti. Le gouvernement n'a pas de quoi accepter. Finalement, il a déporté Guy, Guy rentré. Le Guy rentré, il faut titan à l'ICPJ, etc. À mon titan, et puis il a Guy. Et Guy sorti. 6 ans en dehors du pays, mais Gombara est pour nous dire. De la prison étant,
qui réalisait plusieurs émissions de radio avec des journalistes internationaux et des journalistes locaux. Donc quoi? Pendant que je suis en prison? Donc, qui toujours gagne information 1 et gagne relation avec le peuple. Parce que le balai. Il est toujours vivant. Il est vivant. Vous comprenez qu'on aime galère. Monsieur est vivant dans mes mois, peuple là. Et qui ça fait, qui fait dans toute déclaration? Qui toujours dit, c'est abus que vous faites. Et vous comprenez, peuple là, ça veut dire, Guy, montrer que nous sommes victimes. Mais dans le discours, ils ont raison. Le discours à le faire, c'est pour changer. Opinion publique là, pour le mettre en faveur, pour le sauvegarder l'image de que certains Mountaini, selon lui-même, parce que Mounio hostile avec elle. Et son gros bagaille communication politique qu'on connaît, comme je fais. Parce que s'il pas de me parler, elle tape la guerre, il n'y a pas même bagaille. Monsieur entretenu de relations avec le peuple. Mais, attendez-nous, c'est bizarre. Très bizarre. Pas qu'il y a aucun prisonnier qui compte bénéficier de traitement ça si on prend pour des bagailles comme ça. Ma imbécile. Je ne suis pas un ignorant. On prend nègre pour drogue, assassinat, bah, tout bagaille ça. Et puis, monsieur en téléphone, belle émission. Monsieur ici, belle émission. Gon bagaille qui passait. Qui était donc? Bah, on s'est passé à nous. Mais ça m'a dit, qui était un prisonnier privilégié. Et spécial. Et ça veut dire ce que ça veut dire, puisque les faits sont là. Scoop. Ah, c'est le palais. Scoop. De retour donc en Haïti, Guy font tourner dans la grandasse. Il profitait pour faire déclaration. Il demandait pour faire révolution et il demandait pour Ariel Ali. Révolution, Guy. Pour Ariel Ali. Et déclaration et tout ça qui a fait, il a situé dans le contexte de négociation non aboutie après plus d'un an de dilatoire entre la primature, entre les gens, les partis politiques qui étaient signés à quoi 21 septembre, etc. Ok? Et Montana, etc. Fritz Jean, tout le monde, André Michel, dilatoire, rien pas jamais sorti. C'est dans le contexte ça qui est rentré. Guy est donc venu, plus classique, dans un contexte d'opposition de salon, d'opposition d'échange de mots et de paroles. Vous écoutez votre avec radio, des mounes qui parlent aucune force, qui parlent représentative. Scoop. Ou opposition qui parle un centième de pouvoir de convocation que Guy a gagné en 2004. Absolument. Donc, pour Guy, il n'y a pas de leader. Le terrain est complètement vide et vidé. Ce qui s'est gagné, je dis, selon Guy. Kidnapping. Vol, viol, assassinat. Moun qui a parti. Biden. Vicher, désespoir. Bandit a fait la loi. Et le peuple, dans son immense majorité, et comme toujours, l'abtonne ou leader, l'abtonne ou sauveur. Donc, qui ça peuple a besoin? Un minimum de sécurité pour le capable de stabilité, pour l'avancer. Et il vient avec ce discours. Et il est venu avec ce discours. Merci, tu as compris et tu es en train de suivre. Et monsieur a déclaré, m'a cité. Si vous avez volonté politique, problème ça yo, ça me dit là yo, m'a résoudre yo en 3 mois. Et ça qui dit? Qui touche principale préoccupation de population dans le contexte ça, je dis ya. Et comme c'est ça, pays a besoin de sécurité, qui est donc en quête d'une construction d'une nouvelle légitimité et pour arriver. L'utiliser et instrumentaliser
la problématique de l'insécurité. Il est en train de construire son virage en utilisant la thématique de l'insécurité. Nous avons fait virage. Donc, virage ça, il fait peur. Et c'est un discours qui attire, puisque monsieur fait avec force, conviction et détermination. Élément important, ça, dans sa guerre entrée, sous question de la sécurité, et monsieur a attaqué le pouvoir, il n'a pas attaqué l'opposition, monsieur a tout cassé, négociation, nous n'avons pas besoin de parler de bail comme ça encore. Parce que c'est lui, le chef des rebelles, c'est lui, le révolutionnaire aujourd'hui. Pas qu'à faire Montana ou à faire Chita sous table encore. Pas qu'il m'aille comme ça encore. Parce qu'il y a Guy. Guy, encore une fois, qui par une manifestation pacifique, qui est venu avec la thématique de révolution pour tenter de changer et influencer les données politiques. Nouvel élan de Guy. Maintenant, dans le discours ça et dans la dynamique ça, Guy a éliminé Montana. Il diminue terriblement l'ancien Premier ministre Claude Joseph. Paquet libre. Monsieur éliminé le don au revers de main parce que le Premier ministre a fait une déclaration, il attaque le Premier ministre, il diminue le Premier ministre parce qu'il dit la patente avec le Premier ministre Ariel Henry. Donc, Givin prend une dimension et puis, comme monsieur a fait monde. Attaquer le monde, monsieur, allo cap, etc. Mais pour le cap, là, on l'a écrivé. Allo cap, etc. Ah, monsieur, commencez. Bah, Moïse, problème. Et ça fait Moïse à le parler. Sortir. Moïse, c'est que sortir. Parce que vous remarquez que la paix du monde. La paix du monde. Exact. Donc, Moïse Jean-Charles, commencez à promener. Et puis, je suis attaqué à Ariel de manière frontale. Guy, fait être y passer. Et c'est ça, monde comprendre. Comme le principal leader de l'opposition. Et du coup, Guy a pas avancé d'un cran vers la prise du pouvoir dans le cadre de ce qu'il appelle la révolution. Scoop! Scoop! Haïti. Maintenant, sans le vouloir, je suis obligé de le dire. Intéressant. Haïti hein? débat. Guy réduit l'importance de l'opposition dans l'opinion publique. Non sens qui rend Ariel service. Ah bon? Mm-hmm. Parce que qui retire sous table. Yon paquet leader. Ou paquet leader. Ariel est sous table pour contre lui. Et ça fait besoin de l'éliminer Mounio. Kounia. Comme c'est qui retire Mounio. Yon fait ou humeur à courir sous gris. Que Guy a monté sous table là et que le mandat ministère. Parce que pas que l'autre monde sous table là quoi. Oui, mais ça a doit pouvoir faire. Oui, mais ça a doit c'est l'autre dans politique que Guy pousse. Scoop. Il casse aussi tout côté. Tout côté. Il doit c'est Guy tout. Vous comprenez parce que politique en fait. Mettre table à vide. Guy c'est principal. Parce que vous n'avez pas vide chita aujourd'hui pour aujourd'hui faire négociation. Pour ne pas faire appel à Guy ou à Mounka Guy, parce que c'est Guy qui est force de frappe là encore une fois. Oui. C'est important, comme je dis là. Parce que c'est Guy qui a mis Moun dehors, c'est Guy qui demande Moun, ferme bureau, ferme tout le bagage. Guy a marché, pas que Moun qui a fait. Donc, c'était Moïse qui a fait. Mais Kounia, est-ce que Moïse a joué pour le faire pendant Guy là, si Guy n'est pas d'accord, il y a un gros problème. Parce que Guy est le chef de l'opposition, incontestablement, aujourd'hui, sinon pour le moment. Hein? Pour le moment. Maintenant, qui renforce Ariel. Haïti débat. Maintenant, question m'a posé. Haïti débat. Guy a-t-il le profil? Est-ce que Guy a une crédibilité? Est-ce que Guy a un tempérament? Est-ce que Guy a une bénédiction? Des forces incontestable de l'international pour le monter sous table là. Une question à poser. Une question à poser. Mm-hmm. Parce qu'on a une force à arriver, mais il faut monter sous table là. Seul Guy, Jodia, Cage FM, une force de frappe que le gagne.
dans la rue. Parce que je m'oublie, je dis nous, le métier des armes. Et monsieur, qu'on paquette, nous, on va parler de Bessap, on va parler de Bessap, même ça va pas intéressé. Monsieur, qui est force de frappe. Parce que l'MD, ou qui a sorti, maintenant, avec Bessap, plus seulement avec, nous, on paquette tout le monde avec tout. Ouais, monsieur, qui est monde qui a fait. Peuple a croit, je dis, que qui pas seulement, on est capable de parler, même avec monde. Négociation. Oui, une négociation, faut me citer, oui. Nèg moun Guillo comment relé et André Michel comment relé. SDP. Ou bien moun Mondana. Ou bien Claude Claude Larens etc. Nèg ka parlé. Parce que nèg ça yo. Nèg ça on a bay pacifique. Peuple a croit que Guy pas on est ka parlé Guy est également un homme d'action parce que Guy prend âme déjà. Oui, c'est pas exactement. Donc, peuple a cherché libération. N'importe qui a fait le meilleur guia, peuple a marché dehors. Parce que le peuple a voulu, même s'il n'a pas une solution, mais il a besoin d'un espoir. Et c'est Guy, aujourd'hui, qui est porteur de cet espoir. Haïti débat. Haïti. Attention, Guy doit être prudent. Ah bon? Évidemment. Évidemment. Oui, là. Moi, ça, dis-moi là. À cause de ces contraintes, Guy Guenois, pas moun qui est arrivé à la tête du pouvoir. Contrainte de toutes sortes. International, comme vous dites. Opposition, pas bien. Ouais. Et toute combine qu'a fait contre monsieur, ça veut dire Guy doit être prudent. Et puis, il faut monsieur régler des mêlés le gain avec. International là, faut pas la clarifier. M'gal prend exemple là, même après deux exemples, ça m'a demandé Mounio, excusez-moi si m'prend exemple ça, mais comprendre ça m'gal dire. Si c'est Jacques qui lui marque, scoop, ou bien Gardi Leblanc qui ne place Guy, il tape plus légitimité pour ne pas pouvoir nommer Ariel. Ah oui. Nous comprenons? Ça veut dire, il faut qu'il bataille pour le prendre. Mais si l'action a une popularité, Guy est là, et force de frappe Guy, Blanc tape d'accord rapidement pour changer Ariel, pour commencer l'action, parce que l'action offre une image pacifique, et l'action c'est allié Blanc et tout. Guy, pourquoi allié Blanc? Dans ce sens-là que n'a pas parlé là. Comprendre, mes amis. Haïti débat. Haïti débat. Opposition, il va jamais soutenir Guy. Et faut Guy éviter une nouvelle fois pour ne pas manipuler. Et pour cette fois-ci, il ne va pas reprendre le pouvoir. Non, mais encore, pendant la fin mouvement ça. Pour même bail 2004, là, pas arriver. Val, devant la popularité de Guy, vous remarquez que les critiques se taisent. Qui contestait ça? Non, il y a un qui vient jouer Guy pour dire Guy barre une radio. Ou pas, Bab? Parce qu'il y a un monde. Ou pas, Bab? Seul nèg qui tentait de jouer de Guy pour dire Albert dans Rivière Glace. Il m'a rébu. Il dit Albert. Mais attention. Il fait attention. Hein? Il fait attention. Il est très prudent. Parce que Guy a fait n'importe qui barre. Ouais, c'est lui, mais après ça, tout le monde fait même bouchon. Et ça fait Guy qu'on est le chef d'opposition. Hein? Parce que personne n'a pas qu'à faire ça l'affaire. Pas qu'on m'a dit qu'il ferme tout le bureau de Pétionville. C'est Guy qui a fait ça, je veux dire. Attention, je ne dis pas ça, je dis bon. Je dis ça qui a passé. Bon. Devant la popularité de Guy, tout le monde fait même bouchon. Et. Gage opposition, pas vle Guy rive dans le pouvoir. Scoop! Parce que vous n'avez pas sa Guy. Guy pas kage toute popularité sa ou, Guy dépasse yo. Guy pas gen alliance clé que le café dans l'opposition. Tout n'a pas peur, parce que Blanc a arrêté Guy. Donc tout le monde a peur, yo ka fait alliance souterraine, caché, mais pas aucun nèg leader politique, visiblement. Bon, on dit Gadi Leblanc. On dit Magali, comme on dit.
et puis pour chita, pour marcher, il dit qu'il a négocié, donc nous allons pouvoir. On regarde pour nous si c'est qu'a fait. Si qui arrive sous pouvoir, opposition ça, l'a toujours dans l'opposition par rapport à qui. Reste à savoir maintenant ce que pense Martine Moïse. Oh. Ah ouais? Parce que Guy, c'est ton allié fidèle de Jovenel Moïse. Haïti débat. Haïti débat. Vous pouvez comprendre? Quoi? Ça veut dire qu'il est important. Mais attends, on t'y bat tout petit, Val. Val, on t'y bat tout petit, à un moment donné. Si Guy, gon problème pour le candidat. Mm-hmm. Ouais, il me pose problème. Poids électoral Guy capable incontestablement faciliter arriver au pouvoir de n'importe qui. Scoop. Capable faciliter arriver au pouvoir de n'importe qui. C'est bien en bénédiction. Notamment Michel Matéli. 7.7 FM. Notamment Michel Matéli. Parce que Guy, c'est. 107.7 FM. Michel. Stéréo. Je ne sais pas si je peux faire il va aller encore. Pas de consortium, parti politique, c'est un DPH qualité. Donc, faut qu'on comprenne ce qui a passé. Pour les gens qui disent que Guy n'est pas candidat à la présidence, vous avez une bagarre, je réponds. Il faut attendre le décret électoral. Et décret électoral là seulement qui pourrait dire si qui est candidat, si qui pas candidat. Débat ouvert, plusieurs juristes prennent position contradictoire. Seul décret électoral là capable de dire qui ça pourrait passer Guy et pour le moment pour un décret électoral. Et si Guy n'est pas qu'un candidat, qui a venu, Guy? C'est la grande question. Hein? Bon, question fondamentale. Toute légitimité, Guy, l'Ichita, ça se dit sur le fait que Guy bâti popularité là, je dis, sous question insécurité que lui-même lui a résolu. Scoop! Puisque Guy, ces problèmes ça, si vous voulez bien que le cas résoudre, mais gros problème sérieux que posé. Si le cadre arrivé, force de soutien, cap vin mettre sécurité, aider mettre sécurité, force à rentrer, lui résout le problème insécurité, Guy pas vont faire tu de paille. Parce que le discours a pas servi. Le ça, c'est pas solution au problème insécurité qui pourrait le poser comme problématique. Qu'on a sac parlé comme discours, c'est l'élection. Mais ça l'oblige à changer de discours. Parce que le dédié ne peut pas parler l'élection. Qu'on a l'oblige à dire, suite à la situation ça, il peut aller dans l'élection. Donc, succès futur qui dépend de force multinationale là, toute force multinationale n'a pas venu. Qui a plus proche pouvoir, la plus capable de prendre pouvoir. Mais depuis la force multinationale là, rentrer, qui a pas obligé de l'autre type de comportement, de l'autre type de discours, et la pas obligé de rentrer dans le livre pour le même candidat. Il y a tout candidat. Gage FM. Donc, avenir qui dépend de la force multinationale. En cas de succès de la force, qui a perdu plume. Pour le moment, tout le monde a parlé de Guy à cause de son discours. Donc, l'avenir de Guy est lié à la situation chaotique. L'avenir de Guy. Le chaos est profitable à Guy. Toute situation pacifique et toute solution en pour qui résout problème insécurité a la diminuer capacité Guy à prendre le pouvoir. Qui dit la paix dit élection. Qui
dit élection, il n'y aura pas de révolution. Donc, mais avenir pays, mes missions spéciales que me préparé pour nous comprendre, Guy Philippe. Vous écoutez votre radio. Nous pas besoin. 107.7 FM stéréo. Jouer pour fond bon bagage. Comment nous ne pas comprendre ce qui a passé là? Et grand pile monde là qui a félicité. Si force là rentrer son l'autre pays, son l'autre discours. Haïti débat. S'il pas rentré, c'est Guy qui a personnage qui est plus important en Haïti. Et grand pile monde qui pas jeune. Et puis après, l'opposition a mouru pour contenir ce Guy. C'est Guy qui prend le pouvoir. Maintenant, si Guy ne prend pas le pouvoir, Yogi doit éclipser Ariel Rapide. Si Guy a rentré même gens, pour répéter l'histoire, pour passer le pouvoir au monde, pour mettre Guy dans leur dynamique, une dynamique électorale. Parce que depuis qu'il y a une élection, Guy n'est pas le même personnage encore. Et c'est ça que fait. Il faut Guy construire discours de manière pluridimensionnelle. Faut l'attendre que la situation a changé. Et faut le bon discours qui répond à convenance population en fonction de ça qui va le passer dans le pays.